là, coucou à tous, on va attendre que ça arrive gentiment. Oh, c'est réactif, hein, ça arrive vite. Hein. Re-coucou, re-bonjour. Il est 14h05, pour l'instant il n'y a pas grand monde, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc en tout cas, re-welcome, hein, re-bienvenue sur le live solo, en direct de Lorient, à Lanester exactement. Voilà, périphérie de Lorient, au niveau du... au niveau du casino, du géant casino, voilà, à Lanester exactement. Ouais, coucou Sylvie, coucou Patrick, coucou à tous. Alors je sais pas comment ça va reprendre là cet après-midi, il y a deux forces de l'ordre en moto qui sont présentes. Je sais pas comment ça va se passer cet après-midi parce qu'il y avait des appels sur Vannes, il y avait des appels sur Quimper. Donc forcément, bah, les gens libres à eux d'aller où ils veulent. Mais en tout cas, il y a toujours encore un peu de présence toujours un peu de présence sur Lorient. On espère que ça va arriver. On espère que ça va venir. Salut David. Hop là, bah allez, de toute façon, on va tourner ça. Au cas où, je répète vite fait, si des fois vous avez envie de me soutenir, il y aura sûrement les modérateurs qui vont arriver. Salut Ludwig. Il y aura sûrement les modérateurs qui vont arriver d'ici tout à l'heure ou autre. Mais il y a le Tipeee sur la page Live Solo. Quoi encore, les vidéos, mais pour l'instant j'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais je vais repartager après plus tard sur sur YouTube. Si des fois vous voulez chercher sur YouTube, salut Alonso. Bah au cas Alonso, je compte sur toi éventuellement, c'est juste pour partager le lien Tipeee et le lien YouTube. Voilà, en tout cas n'hésitez pas, je pense que ça va redémarrer gentiment, doucement mais sûrement. Voilà. Allez, on va tourner ça, on va regarder comment ça se passe. Pardon, Denis. Hop là. Oui. Excuse-moi. Oui. Il y a une dame qui a quelque chose de très intéressant. D'accord. Ça te dérange de passer en direct? Ouais, un peu. Eh ben sinon, tu sais quoi, on va se mettre sur le côté. Voilà. Déjà d'entrée de jeu, j'ai un témoignage. Donc, je sais pas, enfin, une demoiselle, une dame, une mère de famille qui est à côté de moi, bah, écoute, je te laisse expliquer, le micro est là, direct, on a un témoignage, je te laisse dire. Alors, j'ai eu plusieurs personnes de mon entourage, notamment hier, une personne qui disait qu'elle avait fait le vaccin pendant sa grossesse et elle a perdu, en fait, sa grossesse, son bébé. Et une autre personne qui a fait vacciner son fils. Et son fils est aujourd'hui en réanimation, donc il est temps de bouger, il est temps de faire quelque chose parce que là c'est grave quoi. D'accord, ouais, bah oui, effectivement, ouais, très, ouais, ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc voilà, encore des exemples parmi tant d'autres par rapport au vaccin. Donc voilà, pour contre, comme je dis, hein, chacun est libre de faire. Chacun est libre de faire comme il veut, comme il le souhaite, comme il l'entend. Le but, comme j'arrête pas de le dire depuis pas mal de jours, c'est de pas ne pas rentrer dans le jeu de la Macronie, le jeu du pouvoir de monter les vaccinés contre les non-vaccinés. C'est juste d'échanger, de dialoguer, mais de ne pas se faire la guerre entre nous, parce que là, c'est faire le jeu de la politique, faire le jeu de Macron, c'est-à-dire on se sert de son peuple pour les manipuler, pour les diriger, pour les orienter comme on veut. Et voilà, c'est pas, je trouve ça un peu dégueulasse. Donc voilà, pareil, une fois de plus, comme je le dis, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, que ce soit moi en tant que média, et je ne suis pas le seul, donc j'en profite une fois de plus pour les saluer, parce que ça bouge un peu de partout en France. Donc je salue tous les médias indépendants, je vais en citer quelques-uns, c'est Nous Autres, Œil d'Actu, Vécu, Civicio, Média 2.0, enfin il y en a tellement que je vais en oublier. Voilà des super banderoles juste devant. Voilà, donc comme je disais ce matin, et je vais reprendre un peu les mêmes mots que ce matin, c'est du dialogue essentiel. Enfin voilà, on a tous un rôle à jouer, tous autant qu'on est, que ça soit par le partage, par rapport à la visibilité, par rapport au fait de se faire entendre. Voilà, ne pas oublier le personnel soignant, parce que là on est en train de se foutre de leur gueule. L'année dernière, fallait les applaudir, et puis maintenant faut leur demander de se faire vacciner, sinon vous risquez de perdre votre emploi. Enfin voilà, après n'oubliez pas, c'est que pour l'instant le vaccin n'est toujours pas obligatoire, la loi n'est toujours pas passée. Ça
Ça se trouve, elle ne passera peut-être pas. Ça, c'est prévu pour mercredi. On verra bien comment ça va se passer. Mais voilà, je pense qu'il faut tous qu'on se soutienne les uns les autres, qu'on marche main dans la main. Nous sommes tous des maillons, mais maillon plus maillon, il y a moyen de faire une grande chaîne. Donc voilà. J'espère que ça va faire venir un peu le monde, parce que là il n'y a pas grand monde, mais ça je m'en doutais. Il y a eu beaucoup de monde ce matin, on va dire entre 200 et 300 personnes. Il y avait donc un appel, moi je savais même pas pour ce matin, je savais qu'il y avait peut-être quelque chose, mais c'était pas sûr. Donc du coup je suis passé ce matin, il y a eu un premier live ce matin, et là il y avait un appel pour cet après-midi aussi à 14h, 14h30. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont partis, salut. Il y a des gens qui sont partis du côté de Vannes, qui ont été du côté de Quimper. Mais s'il y a des gens qui sont du côté de Lorient, qui veulent venir rejoindre, n'hésitez pas à venir du côté. Donc on est à Lannester, au rond-point de Lanselvin, pour ceux qui connaissent. Voilà, on est à proximité de la voie express, hein, la RN164. Voilà. Et ça se passe globalement ici. Ce matin, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu de blocage, rien eu du tout. Alors, il y a des gens avec les voitures qui approuvent, qui veulent mettre un coup de klaxon, qui comprennent, d'autres un peu moins. Mais voilà, il n'y a aucune violence, il n'y a aucun blocage. C'est que des échanges. Après, il y en a forcément, ça ne leur plaît pas parce qu'ils se retrouvent bloqués dans leur voiture 5 minutes, 10 minutes, même si il n'y a pas eu de blocage. Hein, je vous le dis une fois de plus, ça fait juste le tour du rond-point, mais pas sur le rond-point, sur le trottoir, à faire tout le tour, et ça s'est super bien passé. Après, j'ai vu qu'il y avait des forces de l'ordre qui étaient présentes, elles sont toujours là. Il y a deux motards, ils sont mis un peu à l'ombre parce qu'ils ont peut-être peur de prendre un pet au casque. Donc voilà, qui se protègent. Donc voilà quoi. Mais c'est pas facile tous les jours, c'est pas facile pour tout le monde. Mais voilà, les gens sont toujours présents. Ça revient petit à petit. Et puis j'espère que ça va faire un peu comme cet après-midi. Et puis on verra en fonction du monde, mais il faudrait refaire à peu près ce qui s'est passé ce matin, c'est-à-dire une fois qu'il y a du monde, de faire des tours de rond-point. Vous avez votre passe pour circuler ? Faut un passe, hein, pour circuler. Hein. Vacciné, monsieur, intelligemment. Ou pas ? Je ou pas, hein, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Les gens sont persuadés, voilà. Les gens sont persuadés qu'en étant vaccinés, ils se protègent et ils protègent les autres. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est hallucinant quand même. Nos corps nous appartiennent. Hein. On ne les lâche pas. Et on était 200 ce matin. Ah mais faut toujours faire dans la bonne humeur. Moi c'est mon moteur de toute façon, hein. c'est faire le con et être dans la bonne humeur. Donc voilà. Vous avez votre passe pour passer ? Normalement faut un passe, hein, pour circuler sur le rond-point. Vous savez qu'il faut un passe, hein, pour passer sur le rond-point normalement. Bon, je vous dis tout de suite, je vais pas trop voir les commentaires parce que je mets les lunettes de soleil et du coup j'ai du mal. J'arrive un petit peu, mais vite fait. On va faire comme ça. Ouais, merci à Alonso, merci à toi. Vous avez votre passe ? Il faut un passe pour tourner autour du rond-point là, normalement. On verra l'année prochaine. Bonne journée à toi, salut. Oh, Schumacher.
Michael Schumacher. Et que fait la police? La police est là. Et lui, il est dangereux. Vous avez un pass? Il faut un pass pour faire le tour du rond-point. Ah, c'est marrant, les petites remorques, là, les 67, l'Alsace. Faut un pass pour faire le tour du rond-point. Vous avez votre pass avec vous? Faut un pass pour faire le tour du rond-point, en fait. C'est très bien. Vous avez un pass avec vous? Parce que normalement, il faut un pass pour faire le tour du rond-point. T'as un pass avec toi? Non. Ouais, normalement, pas de pass, t'as pas le droit de prendre le rond-point, en fait. Ah, bah dommage, on va le prendre quand même. Hein. Bah écoute, prends le risque, t'as bien raison. Salut, bonne journée à toi. Salut. T'as ton pass? T'as ton pass? Normalement, t'as pas le droit de faire le tour du rond-point sans pass. Hein. Mais vas-y quand même. Allez, ça, on va dégager ça. Parce qu'il y a encore les marabouts qui essayent de donner les numéros du loto pour ce soir. Vous avez votre passe? Faut un passe pour faire le tour du rond-point, normalement. Enfin, bientôt, même pour aller aux toilettes, hein, faudra un pass. Hein. Ouais, coucou le sud-ouest. Merci Grégory, salut Grégory. Non, mais ça fonctionne. Ouais, bah après, j'en sais rien, on verra. Peut-être que les gens voudront bouger ailleurs. Mais après, ce matin, c'était pas mal. Hein. Il y avait de la visibilité. Hein. Vous avez un pass? Normalement, tu peux pas faire le tour du rond-point sans pass. Hein. Là, ça va pour cette fois-ci, mais la prochaine fois... Je peux laisser passer, hein. vous avez votre pass? Non, non. Vous avez votre pass? Non, non. Normalement, pour faire le tour du rond-point, faut avoir un pass, hein, théoriquement. Enfin, là, c'est la... Bonne journée. Ouais, après ça a bougé à Quimper, ça a bougé à Vannes, donc voilà. Mais vous avez votre passe, cher monsieur? Non. Vous savez qu'il faut un passe normalement pour faire le tour du rond-point. Hein. Vous avez votre passe? Bah, non, mais faut... Mais faut, c'est pas ça, faut avoir un pass pour accéder au rond-point. Non, mais si, c'est... Mais non. Voilà, je me suis fait traiter d'abruti, mais je réponds pas. Forcément, faut pas répondre. Faut un pass pour faire le tour du rond-point, hein. Fais gaffe, hein. Parce qu'ils verbalisent là-bas.
Le masque n'est pas obligatoire à l'extérieur, cher monsieur. Eh, vous avez un pass avec vous? Parce que normalement, pour faire le tour du rond-point, il faut avoir un pass. Hein. Après, attention. Hein. Vous avez un pass avec vous? Bah, passe sanitaire. Eh ouais, mais le problème, c'est que sans passe sanitaire, normalement, vous n'avez pas le droit d'accéder au rond-point. Le rond-point. Bonne journée. Vous avez votre passe avec vous? C'est pour accéder au rond-point, faut avoir un passe. Hein. Bon, bah, ça va alors, parfait. Vous avez votre passe, cher monsieur? Oui. Ah, c'est bon, alors vous pouvez prendre le rond-point, il n'y a pas de souci. Vous avez le passe pour la moto derrière? Parce qu'il faut un passe hein, pour... Salut! Excusez-moi, vous allez, vous avez un passe sur vous? Parce que pour accéder là-bas, il faut un pass, hein, théoriquement. Ouais, mais bon, je constate, après, vous voulez un super maillot. Hein, même, faut un pass, là, pour accéder. Hein. Eh, pas de passe, normalement, ça passe pas. Hein. À bientôt. À bientôt. Ah, un pilote, il est là. Oh là 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 là, il va trop vite. C'est un fou. Vous avez votre passe ou bien? Oui. Tu crois? Ouais, je pense. Ouais. Si t'as une meilleure solution, tu sais qu'on t'a dans le vaccin, il y a des produits qui fait que. La 5G, la 5G. On a mis la 5G d'ailleurs maintenant. Mais mon fils s'est fait vacciner, son portable il lui colle à l'épaule. Moi je l'ai pas encore fait. Salut! Voilà, on fait chier. Je fais chier. Mais comme j'adore faire chier, j'aime ça, je suis né pour faire chier le monde. Ça se voit. Hein. Excuse-moi, tu as un pass avec toi? Parce que normalement, il faut un pass pour accéder sur le rond-point, là. Bah, c'est pas grave, vas-y, t'inquiète. Les gens, ils comprennent pas trop. Ils savent pas trop si c'est du lard ou du cochon. C'est quoi, ça? Eleona. Hop là, hop. Ça, c'est Marabout. Hop là, au revoir, Marabout. Tu sais qu'il faut un pass hein, pour faire de la moto normalement. Non. Pour faire de la moto, il faut avoir un pass théoriquement. A bientôt, salut. Vous avez un pass, non ou pas? Un pass sanitaire. Normalement, sans pass, on n'a pas le droit de prendre le rond-point. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, monsieur. On est d'accord. Excusez-moi, madame, vous avez un pass sanitaire ou pas? Non. Ah, vous pouvez pas prendre le rond-point normalement. Ah là 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 là, la fraction en direct. Vous avez un pass avec vous? Vous savez que normalement, sans pass, vous n'avez pas le droit de prendre le rond-point. Hein. Faites attention quand même, hein, on sait jamais. Hein. Excusez-moi, vous savez que pour passer, là, faut avoir un pass, hein, théoriquement. Ah là 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 là, faut tout leur expliquer. Vous avez un pass avec vous? Un pass sanitaire? Tu sais que normalement, t'as pas le droit de prendre le rond-point sans pass. Hein. Enfin, vas-y, on dira rien pour cette fois-ci, tu peux y aller.
faut. Vous avez votre passe sanitaire? Normalement, on n'a pas le droit de prendre le rond-point sans passe sanitaire, hein. Faites attention. Hein. Après, je vous avertis, hein, vous faites comme vous voulez, hein, mais. Salut. Vous avez votre passe? Bon bah c'est bon, alors vous pouvez prendre le rond-point. Allez-y. Hein. Il y a quelque chose de prévu là? Normalement c'est censé, ça va peut-être arriver. Le vaccin? Ouais, entre autres, ouais. Ici, ouais, c'est ici que ça se passe. Ok, j'ai pas mis une copine. Bienvenue. Ouais, parce qu'il y a des gens. Alors il y a des gens qui sont venus ce matin, mais c'était prévu cet après-midi aussi. Il y a des gens qui sont partis aussi du côté de. Qui ont été à Vannes, qui ont été à Quimper, parce qu'il y a des rassemblements un peu partout, mais il y a ici. Du statique, enfin éventuellement tourner autour du rond-point, mais sans trottoir comme ça s'est fait ce matin, histoire de ne pas se mettre la population à dos, et puis de faire comprendre aux gens éventuellement s'ils veulent s'arrêter, d'échanger, qu'on puisse discuter tout simplement. Okay. Voilà. Bonjour, vous avez votre passe? Vous n'avez pas de passe? Et vous savez que sans passe, vous n'avez pas le droit de prendre le rond-point. Là, je dis rien pour cette fois-ci, hein, mais la prochaine fois, attention. Allez, circulez. Faut un pass sanitaire pour circuler, attention. Ouais, dans la préhistoire. Denver, le dernier dinosaure. Voilà. Donc vous voyez, les non-vaccinés, nous faisons partie de la classe moyenâgeuse. Voilà. Faut un pass normalement pour passer sur le rond-point. Faites attention, on sait jamais. Hein. Oui. Oui, mais je sais, mais j'aime bien. C'est histoire de. J'alimente un peu parce que je mets un peu d'ambiance. Mais bientôt, ça sera fini. Hein. Faudra le pass pour faire le tour du rond-point. Hein. Exactement. Sauvegardons notre liberté. C'est tout à fait ça. Êtes-vous d'accord pour sauvegarder votre liberté? Oh, le prochain qui parle de plage, je le bannis de live solo. Alors aujourd'hui, ce qui est interdit de parler sur le live, c'est le mot plage. Alors je vais aborder les mots vite fait avec vous. Le mot plage est interdit, le mot fraîcheur est interdit, le mot glaçon est interdit. Et puis j'en sais rien. Parce que là, le béton, ça colle chaud. Hein. T'as ton pass? C'est bon, tu peux circuler alors. Faut un pass, hein, normalement, pour passer. Hein. Faut un pass, ça, normalement, pour circuler. Hein. Vous savez qu'il faut un pass, ça, pour prendre le rond-point, normalement. Hein. Je dis ça, je dis rien. Fais attention, méfie-toi, on sait jamais. Hein. Ah, vous, et voilà. Par contre, vous avez votre pass, madame? Parce qu'il faut un pass pour prendre le rond-point. Oh bah avec plaisir. Par contre, tu sais que t'as ton passe parce que pour traverser, là, faut un passe pour traverser. Normalement, ouais. Ah oui, mince. Oh, je vais être obligé de repartir en courant. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a bientôt des faux là qui sont en train de circuler. Hein. Des faux passes, des faux vaccins, tout ce que vous voulez. Il y a des appels. Bon, après, je vais avoir des propos complotistes, donc je vais éviter de ramener ma gueule, sinon je vais encore avoir tout faux. Mais, Bonjour, vous avez votre passe? Eh ouais, mais pour prendre le rond-point, faut avoir un passe normalement. Ah, j'ai pas. Redites-le. Oh là là! Bon, je répète, la dame, elle a dit que Macron, il était très gentil, que c'était un gentil monsieur et qu'il méritait de repasser pour 5 ans. Voilà. Ouais, mais c'est ça, moi, je peux dire ce que je veux à la télé, hein, c'est ma télé à moi, donc...
Excuse-moi, tu sais qu'il faut avoir un pass sanitaire. T'as ton pass sanitaire sur toi ou pas? Non. Parce que normalement, en trottinette, il faut un pass pour circuler en trottinette. Hein. Méfie-toi, fais gaffe, parce qu'ils sont juste là-bas. Je voudrais pas que tu te fasses amender, mais méfie-toi. Non, je déconne. Bonne journée à toi, mec. Salut. J'arrive, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais il est petit ton truc. Bah ouais, hein. Moi qui suis presbyte et casse-cou, j'ai du mal à lire ce qui est marqué dessus. Ouais, là c'est du format quoi de... ouais. Il aurait fallu du format 16/9, ça aurait été. Ouais. On est content d'être là. Ah bah, magnifique. C'est cool. Est-ce que ça va arriver encore? J'en sais rien. Moi, je sais pas ce que je mets, si je mets l'ambiance, si je mets les glaçons dans le pastis, si je mets le vaccin dans la seringue, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Nous devenons des... Une expérimentation gouvernementale, en fait. Avant, il y avait les rats, il y avait les souris. Maintenant, il y a les humains qui servent de cobayes. Avec des glaçons, on va à la plage. Ouais, merci, Nat, c'est gentil. C'est très, très gentil. Un vaccin, Ricard. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh, elle est jolie celle-là, elle est très très belle. Ah, je vais aller voir les collègues quand même, leur demander la voix, je suis inquiet pour eux, savoir s'ils ont assez d'ombre quand même. Je vais faire un petit tour. Ça, les gens, on arrive à leur faire gober n'importe quoi. Après, c'est pas méchant, ça, mais on arrive à... Excusez-moi, dans le fourgon, là-bas. Vous qui me regardez de loin. Êtes-vous vacciné? Vous qui me regardez de loin. Je garde ma distance, comme ça, on vous voit pas. Je voulais juste savoir si vous étiez vacciné, si vous aviez un pass pour stationner où vous êtes. Moi, si je stationne comme ça avec ma voiture, je mets ma voiture là, à mon avis, je prends une amende. Hein. Je pense que si je mets ma voiture où eux ont mis la leur, surtout que c'est pas la place qui manque, je garde, y a pas de souci. Est-ce que c'est vrai, honnêtement, avec un pouce ou pas, mais si moi je vais me garer avec ma voiture où vous êtes, je risque pas d'être amendé? Donc voilà, c'est en fait tout simplement OK, il n'y a pas de souci. Non, mais je comprends. C'est pas facile pour tout le monde en tout cas. Voilà, donc les forces de l'ordre. Je salue les forces de l'ordre de Lorient. Bonjour à vous, merci de suivre Live Solo. Ça fait plaisir. Au moins ça vous permet de. Je suis sur place, au moins vous surveillez à distance. Si ça se passe bien ou mal, je pense que vous avez pu vous rendre compte que ce matin ça s'est super bien passé. Mais voilà, donc les forces de l'ordre sont sur Live Solo. Ça fait plaisir, j'ai un peu de tout comme clientèle. Hein. J'ai du non vacciné, j'ai du vacciné, j'ai du gilet jaune, j'ai du pompier, de l'étudiant. Merci. Donc voilà.
Donc attention. Donc je confirme les forces de l'ordre. Ils m'ont fait des signes à distance. Ils suivent le live. Hein. Ils suivent le live. Les forces de l'ordre suivent le live. Ouais. Je leur ai dit si je viens me garer à votre place. Et il m'a montré que vu que c'est police nationale, lui il peut se garer là-bas. Mais moi j'ai pas le droit avec ma voiture. Non, en tout cas, ils sont très gentils, ça se passe très bien avec les forces de l'ordre. Hein. Je les salue, hein, comme je dis à chaque fois. On a tendance à dire que les flics sont tous pourris ou quoi que ce soit. Non, des pourris, des méchants, il y en a de partout, dans tous les corps de métier, comme les médias, comme les journalistes. Voilà. En tout cas, j'ai un grand respect pour ces gens-là. Je pense qu'ils auraient mieux à faire que de se mettre à l'ombre. Enfin, eux, ils sont bien, ils sont à l'ombre. Mais voilà, ils sont à côté, ils sont là éventuellement pour protéger, pour voir si ça part pas en cacahuète. Mais en tout cas, ça se passe très, très bien. Voilà. Bonjour. Et vous êtes vacciné? Vous avez le pass? Faut un pass pour pass. Vous avez un pass? Pass sanitaire? Non, rien? Normalement, il y a les forces de l'ordre à côté. Vous pouvez prendre une amende si jamais vous n'avez pas votre passe et votre vaccin. Faites attention. Hein. On ne sait jamais. Hein. Bonne journée, à bientôt. Ouais, c'est Marcel Béliveau. Je pense que je suis sûr, même eux, ils doivent rigoler, en fait. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Ouais. Excusez-moi, vous avez un passe ou pas? Vous savez que normalement, vous n'avez pas le droit de prendre le rond-point si vous n'êtes pas sans passe, sans vaccin. C'est un... Après, vous faites comme vous voulez, hein, ça regarde que vous, hein, libre à vous. Hein. Bah, moi non plus, hein, je n'ai pas de passe, je ne suis pas vacciné. Mais attention à vous, bonne journée. Vous verrez bien d'ici quelques années. Faut un passe pour faire de la moto maintenant, hein, t'es au courant? Bah ouais, à moins que le live fasse venir les gens, j'en sais rien. Après voilà, je redis, ce matin, j'étais pas trop sûr, j'avais cru apercevoir sur les réseaux ou autres qu'il y avait un rendez-vous ici à Lanselvin. Moi, je comptais venir pour 14h et finalement, quand j'ai entendu dire qu'il y avait du monde ici ce matin, je suis venu ce matin, effectivement, on était entre... C'est dur de donner des chiffres, mais entre, on va dire, je pense qu'il y a eu un pic, on était pas loin de 300 personnes. Mais plus de 200, au moins 250 personnes, quoi. Et puis voilà, donc ce matin, il y avait énormément de monde. Moi, j'avais pas prévu de venir ce matin, j'avais prévu de venir cet après-midi. Après, moi, cet après-midi, je comptais pas rester tout l'après-midi parce que je comptais faire un autre live cet après-midi à Plumeur. D'ailleurs, j'aimerais vous demander, les forces de l'ordre, vous savez peut-être, j'aimerais vous poser la question tout à l'heure. Théoriquement, il y a un match amical, mais il me semble que c'est à Plumeur, au stade municipal de Plumeur et non Kirlir, où il y a le match amical entre match amical et match de préparation entre le FC Lorient et puis le stade brestois à 17h. Voilà, merci bien. Bon, on est moins nombreux que ce matin, mais ça m'étonne pas, cet après-midi, ça bouge un peu partout. Donc, nous avons l'ami Eric, justement, photographe local, régional, comme on veut. Voilà. D'ailleurs, c'est la photo qu'il y avait sur Ouest France, c'était sa photo sur l'article qu'il y a eu sur Live Solo et ma personne, j'ai envie de dire, même si j'aime pas parler comme ça, mais voilà. Vous avez votre passe? Bah, c'est bon, vous pouvez y aller alors. Attention à vous quand même, hein. Ouais, ouais. Vous avez votre passe? Vous avez votre passe? Bah, t'avais le choix quand même, hein. À bientôt. Là, ils sont connectés à Bluetooth sur le net. Ouais, ouais, ouais. Vous avez votre passe? Faut un passe normalement pour prendre le rond-point. Hein. Mais là, ça va pour cette fois-ci. Faites attention, on sait jamais. Hein. Franchement, tous les mots du portable à la roue, les gens, ils vont être pas
pas grand monde. Hein. Allez, on va essayer de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. J'ai pas compté les enfants. Avec moi, ça fait 29. Voilà. Nous sommes 29. Mais ça va peut-être revenir. Nous sommes 29 à Lanthe-Selvin et ce matin nous étions 250 ou 300, 300 personnes. Tu sais qu'il faut un pass normalement pour faire de la moto. Hein. Fais attention. Hein. Fais gaffe. Hein. Fais gaffe. Hein. Bonne journée. Ah merde, c'est à l'envers. Ah oui, dans ce sens-là, c'est mieux. Vaccin danger, informez-vous. Réservons nos enfants. Exactement. Tu rigoles ou quoi ? Ce matin, il y en avait autant que pour la fonderie de Bretagne. Eh, chou, il n'y a pas que la fonderie dans la vie. Hein. Bah, les fondeurs, il y a longtemps que je les ai oubliés, hein, vu qu'ils m'ont tous oublié. Je pensais qu'il y en aurait 2-3 qui auraient de la peine. Si, j'ai vu Yannick. Je pensais qu'il y en aurait 2-3 qui auraient de la peine pour moi, qui m'apporteraient une bouteille d'eau, un truc comme ça, que dalle. Même pas un porte-fusée, même pas un boîtier différentiel, rien du tout. C'est une belle mentalité à la fonderie. Hein. Bah, je vous aimais bien, mais ça, c'était avant. Les temps changent. Hein. Enfin, maintenant, je me sens plus proche des non-vaccinés que des vaccinés. Que... Merde, j'entends ma voix partout. Ah, mais de toute façon, la fonderie, ça va redémarrer au mois de septembre. De toute façon, là, ça va être fermé pendant les vacances. Donc, du coup, Renault vont tout récupérer. Vous allez revenir travailler. Il n'y aura plus rien dans la... Il n'y aura plus rien à la fonderie. Hein. Tout le matériel aura été exporté... en Espagne, en Grèce, en Turquie. Vous allez arriver, ça sera des bâtiments vides. Hein. Va falloir reconstruire autre chose, remettre d'autres chaînes à l'intérieur. Bon. Et il fait chaud quand même. Ouais. Et s'il y a quelqu'un qui passe dans le coin éventuellement, je veux bien comment ça s'appelle? Un smoothie bien glacé. Un smoothie avec des fraises ou voilà, ça bug. Ah, Dactari. Ça part en mission safari. Ça va bloquer.
Vous êtes au courant, faut un pass hein, pour circuler normalement. Faites attention. Hein. On sait jamais. Hein. 98, c'est où ça 98 ? Mais t'as ramené ta bagnole du Gabon, arrête tes conneries. T'es... Ah c'est cool, c'est bien. Hey, t'es vacciné ? T'as ton pass ? T'as pas le droit de prendre le rond-point. Tu t'émerdes après, hein, c'est. Bonne journée à toi. T'as ton pass ? T'as ton vaccin ? T'as pas le droit de passer. Ouais. Il fait une infraction, il a commis une infraction. Vous avez votre passe, monsieur? Vous avez votre passe? Bah vous pouvez passer alors. Vous avez votre passe? Bah, pas de passage. Hein. Voilà, on va dire que c'est un avertissement, mais la prochaine fois, il faudra un pass pour circuler. Hein. Attention. Hein. Lâche rien. Ouais. Ah oui, il y en a, on regarde surtout pas. Faut un passe. Un passe pour passer. Normalement, faut un passe pour passer. Après, fais comme tu veux. Hein. Hop, salut. Hop. Ça va trop vite là. Bon bah revenez vite hein, les gens, vous avez fini de manger, faut vite revenir au rond-point là, hein. On compte sur vous. Hein. Faut un pass hein, pour prendre le rond-point normalement, hein. Après tu fais ce que tu veux. Hein. Là ça va, c'est un avertissement, mais la prochaine fois c'est une amende. Hein. Attention. Faut un pass monsieur normalement pour passer. Ah la trottinette sur le rond-point, je crois pas. Eh messieurs, dames des forces de l'ordre, il a une trottinette, il fait le tour du rond-point. Vous regardez le like, c'est pas bien s'il fait le monsieur là-bas. Bah, oh putain, je vais passer pour une balance après. Oui. Vous mettrez en live quelque chose pour la prochaine mobilisation? Mais moi, ça dépend en fait de mon timing. Moi, je suis en mode média indépendant, donc je suis pas forcément présent sur tous les... Sur tous les trucs, je reste essentiellement local, mais je peux être aussi avec des artistes, enfin avec des chanteurs, des machins en mode locaux, des artisans, mais tant que je peux, je viens. Après, voilà. Bah après, n'hésite pas à aller voir sur Live Solo. Après, si tu as besoin de contacts, tu pourras trouver des contacts. Enfin, voilà. Merci. De rien, je t'en prie, bon courage. J'ai soif. D'accord. Ah mais il y a un petit barbecue. Il y a même le barbecue, c'est équipé ici. Hein. Il y a de l'eau, il y a un barbecue. J'avais pas vu, ça va, ça se passe bien. Bon. Bon, on n'est pas prêt de les manger, les merguez, hein. Ah, ouais, c'est un peu long, hein. On vient de l'allumer. Ah bah voilà. Bon, il y a quoi au menu, du coup? Chipot merguez. Chipot merguez. Elles sont vaccinées, les merguez et les chipots? Ça va falloir demander au ministère de la Santé. Ouais, ça serait pas mal qu'elles soient vaccinées, quand même, hein, les merguez et les chipots, là. Je suis pas sûr que vous puissiez manger de chipots. À mon avis, vous pourrez pas, hein. Elles sont pas vaccinées, vos merguez, hein. Vous aurez pas le droit de les manger, hein. Faut que les merguez et les chipots soient vaccinés pour les consommer. Après, voilà. Ah bah ouais. Faut leur mettre un coup de PO et après tu peux les faire griller.
Ça va voir, ça va flamber tout seul. T'as même pas besoin de braise là. Bah vous voyez, je bois de l'eau. Hein. L'eau, c'est de l'alcool aussi. Hein. Bon, allez, on va aller faire un petit peu le con. Vous savez que c'est mon moteur de faire le con. Tu as ton passe sur toi ? Non. Parce qu'il faut avoir un passe maintenant pour circuler sur une trottinette. Hein. Fais attention, hein, fais gaffe. En plus, il y a les forces de l'ordre en face, ils vont te verbaliser direct. Hein. Faut un passe normalement pour prendre le rond-point. Faites gaffe. Pas qui c'est qui a ramené de l'eau, mais c'est une très très bonne idée en tout cas. Bah, j'ai mis les lunettes de soleil, j'ai levé la visière, donc je ne vois plus les commentaires, désolé. On va passer aux choses sérieuses là, parce que ça peut plus durer. C'est calme, assez mou, il se passe rien. Ouais, merci. Bonne journée. Vous avez votre passe sanitaire ? Normalement, faut pas être vacciné pour prendre le rond-point, mais... On travaille avec les enfants, alors on préfère. Ouais, malheureusement. Bonne journée, bon courage. Après, voilà, il y a des gens qui pensent en se faisant vacciner, puis ça les regarde. Hein. Ils peuvent protéger ou pas, mais... Oh, une 106 Colorline. Une Renault, eh oui, bientôt il n'y aura plus de pièces fabriquées en France de ce genre de véhicule. Hop là. Je crois que je vais arrêter le live parce que... Mais regarde, il y a des gens qui ont ramené de... Ouais, bah, j'ai fait pareil, d'ailleurs. C'est gentil, je sais pas qui c'est qui a eu l'idée, mais c'est sympa. J'ai été chercher de l'eau fraîche aussi. Ah, mais il y a des gens qui reviennent, regarde, ça revient doucement, oui, mais ça sûrement... Arrive, ça arrive, ça y est. Mais tu sais que le live est déclencheur aussi, hein. C'est con à dire, hein, mais le live est déclencheur. Mais bon, après, comme je disais, ouais, comme il y a eu des appels cet après-midi à Vannes, des appels à Quimper... Oui, mais tout le monde n'a pas envie de bouger. Voilà. Il faut arrêter de bouger comme ça. Non, mais après, les gens, s'ils ont envie de bouger, libre à eux. Oui, quoi. Mais... Après, voilà. Mais c'est sûr que les gens qui sont présents, plutôt que d'aller à gauche, à droite, vaut mieux rester sur place. Et ça paraît plus logique. On a l'impression que ça ne bouge pas ici. Maintenant, c'est...
Donc c'est pareil, hein, messieurs, dames, pour ceux qui sont sur le live et qui se disent que à Lorient, ça bouge pas, il se passe rien. En fait, c'est juste, voilà, je le redis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y avait des appels à Vannes, il y avait des appels à Quimper, mais il y avait de l'appel aussi à Lorient. Donc, il ne faudra pas dire qu'il se passe rien à Lorient, bien au contraire, hein, vous en avez la preuve par rapport à ce matin. Mais ouais, c'est un petit peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Ah, ça klaxonne. Mais est-ce que ça klaxonne pour... Bon, derrière, j'étais vers les forces. Et ils suivent le live, en fait. Ils sont dessus. J'étais à distance, tu sais, pour pas les filmer. Bon, derrière. Je leur ai dit, moi, si je viens avec ma voiture, me garer là, j'ai le droit. Et l'autre, il m'a montré des dés, il m'a dit, en montrant police nationale dessus. Ah bon, d'accord, ok. Bon, les lois ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais bon, bisous au fond. Ah, il y a les collègues. Il y a les collègues. Voilà, il y a du soutien, ça soutient. Ah ouais, c'est calme à Pontivy, il n'y a rien du tout. Putain, c'est bizarre quand même qu'il n'y a rien à Pontivy. Oh, comme ça sent bon. Mais oui, il va y avoir le... Mais le problème, c'est que les merguez et les godivots, ils ne sont pas vaccinés, en fait. Allez, venez, on va faire des tarifs préférentiels. Si vous avez la dalle, allez, 3 balles le merguez, le sandwich merguez, 3 balles, c'est bon. À l'Anester, c'est gratuit. À l'Anester, c'est gratuit. Bon, bah voilà. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est le jeune homme là à côté. Hein. Je sais pas si je peux te filmer du coup, donc. Mais voilà. Donc, voilà. Non, sinon, si vous avez la dalle, vous venez me rejoindre et. Moi, je prends ma commission, donc ça sera 2 balles le sandwich merguez avec mayonnaise ou moutarde. Il y a du ketchup aussi, c'est ce que je suis en train de voir, voilà. Donc, ouais, bah c'est normal, il faut que je prenne ma majoration, moi, quand même, malgré tout, quoi. Mais venez, il y a ce qu'il faut, il y a matière, voilà. Les sauces sont là. Attends, ouais, bon, on s'en fout, on peut faire de la pub, moi, j'ai le droit, donc il n'y a pas de problème. Ah, si j'avais su, j'aurais pris ton KFC. Au Burger King, pardon. Voilà. Au McDo. Voilà. Ouais, après, faut que je cite les trois marques à chaque fois, putain. Et on passe à l'arrache, à la clé. Y a rien de tel. Ah, magnifique. J'ai un tournevis dans la voiture, si tu veux. Ça peut servir. T'as une petite ceinture aussi. Je perds mon fut. Donc voici le cabriolet 16S de l'Ice Solo. Ah mais non, en plus je crois que j'ai... Ça brûle, ça brûle. Ouais. Il y aurait une bouteille d'eau là. Il y en a plein là au pied du palmier là-bas. Ouais, ça va cramer, hein. Ça carbonise. Hein. Ouais, C'est foutu. Ah bah voilà, maintenant ça enfume. Il n'y a pas de lacrymogène, on en voulait un peu. Ouais, ça met dans l'ambiance. Exactement. Tu
n'oubliera pas de me le rendre à tout à l'heure. Ouais, t'inquiète pas. Bon, après, je te ferai pas de procès, t'inquiète. Bah, combien il y a sur le... Salut! Bon, on va couper un peu le live parce qu'il n'y a pas grand monde. Au pire, je redémarrerai parce qu'il faut que je charge un peu la batterie, les batteries. On se capte plus tard, les amis. En tout cas, merci de suivre Live Solo. Au cas où, n'hésitez pas à leur dire que les gens, s'ils veulent venir, ils peuvent venir. Voilà, si vous avez des gens autour de vous qui veulent venir, ils peuvent venir. Et puis voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure. De toute façon, il y aura un autre live ici ou au foot. J'en sais rien, je ne sais pas encore. On verra bien. Allez, des bisous. À tout à l'heure. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches.